c'est le ramassage des pommes pour notre 20e pressé, c'est le pressé anniversaire, pour ce jus de pomme que nous faisons pour l'association Au-delà du cancer, voilà. Vous êtes à combien ce matin, vous savez? 42. Ouais. 42, c'est pas un chiffre, ça. Monsieur Sabine. Alors, plus 4. Bonjour. Café chocolat. Merci à tous d'être là. On va se dépêcher. Il y a quelques petites gouttes. Merci beaucoup à Élie de nous accueillir. On est tous au taquet. On s'est bien échauffé. On va encore se réchauffer plus dans la matinée. On attend les ordres du maître des lieux, mais vous connaissez tous notre jus de pomme et vous savez qu'il est bon, et on ne peut faire du bon jus de pomme qu'avec des bons et des beaux fruits. Ce qu'on ramasse, ce sont des beaux fruits, pas de fruits tachés. Ils vont être mis dans ces palos, ils vont contaminer les autres, hein. Vous savez ce que ça donne dans nos coupes à fruits, donc on ne ramasse que des beaux fruits, et pour ça malheureusement, on va sans doute devoir ramasser 5 pommes avant d'en mettre une dans notre sac. Malgré une météo peu clémente, des membres de l'association, de nombreux bénévoles et amis de toutes générations, avec sourire et bonne humeur, n'ont pas ménagé leurs efforts pour remplir les palox de pommes deux matinées durant. Bonjour, donc Élie Vasseur, je suis producteur sur Godwarzel, sur 20 hectares de pommiers, enfin pommiers poiriers. On accueille Au-delà du cancer depuis à peu près une dizaine d'années. Depuis la première année où ils m'ont demandé, j'ai toujours accepté, puis chaque année ils reviennent, sauf l'année dernière à cause du Covid. Ok, et donc vous autorisez les bénévoles d'Au-delà du cancer à cueillir, non pas accueillir, mais à ramasser des pommes. Ramasser les pommes. Vous les laissez gracieusement profiter des pommes tombées en fait. C'est ça, oui. Qui sont saines, et ça se monte à combien de kilos, de tonnes Ça dépend des années, ça dépend du nombre qu'il a pour ramasser, et ça dépend de ce qu'il y a par terre l'année en question. Mais ça oscille au maximum 20-24 pollox de 400 kilos, donc ça monte à 8 tonnes, un peu plus. Quoi. Et ces pommes, si elles n'étaient pas ramassées, vous en feriez quoi? Moi, je les ramasse pas, ça serait poubelle, ça serait dégradé, et puis ça finirait. Ça retourne au sol, en fait. C'est ça, ça retourne au sol, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? La cueillette des pommes, donc des pommes qui sont au sol. Pour une association donc, contre le cancer, pour qu'ils puissent faire du jus de pomme et donner les bénéfices à l'association. C'est un travail d'équipe entre les glaneurs et les conducteurs de brouettes. Ah oui, pardon. Merci. Bah moi c'est la deuxième fois que je viens, hein, parce que après c'est la 20e pressée, mais avant je connaissais pas les personnes au-delà du cancer. Depuis que je les connais, bah, j'essaye d'être là. Elle n'est pas belle, mamie. Non, elle n'est pas belle, elle est cachée. J'ai fait quelques petites opérations avec ma tante, puisqu'elle participait à beaucoup d'événements de l'association. Et je suis venue avec elle de temps en temps, voilà, pour faire un peu de bénévolat. Et cette année, donc, j'ai décidé de venir ramasser les pommes. Un petit peu aussi par rapport à elle. Elle est décédée l'année dernière au mois de septembre. Et donc c'est un moyen pour moi de me retrouver quelque part un petit peu avec elle, puisqu'elle venait régulièrement, elle, pour le coup, ramasser les pommes en fait. Moment passé en famille avec un invité surprise. Et maman, vous allez me dire là. Ok, je vais chercher. Merci, rendez-vous. C'est pas toi qui le porte. Allez, c'est un ici. Viens. T'as vu comme on est efficace à trois? Trop bon. Passe-moi ça. Là, vous travaillez en famille. Et voilà, c'est toute la famille qui est venue. Non, lui. Là, on est venu à 7. 6 membres de famille et puis une amie. Donc ouais, on est mis en farce. Bon, du moment qu'on prend les bonnes pommes, ça va. J'ai une bonne copine qui s'appelle Martine, qui m'a d'abord
offert du jus de pomme. Ensuite, j'ai acheté du jus de pomme et à force de parler de jus de pomme, j'ai appris que tous les ans, il ramassait les pommes pour faire ce délicieux jus de pomme. Et donc, je lui ai proposé mon aide déjà quand je l'ai su. Et j'ai déjà ramassé les pommes il y a 2 ans, parce que l'année dernière, ça n'a pas pu se faire. Et on passe un bon moment avec une belle équipe. C'est toujours agréable, c'est pour une bonne action. Donc c'est pour ça que je vais demander la date pour cette année et qu'on est là ce matin. Alors, vous, vous êtes... C'est pour qui cette bonne soupe et c'est pourquoi? Pour qui? Pour toutes les personnes qui sont venues ramasser les pommes. Mmh. Voilà. Et j'en fais encore après quand il faut faire les étiquettes. Et je fais ça tout mon été avec mes fruits, mes légumes de mon jardin. Potirons, courgettes, tomates, un petit peu de tout. À faire du bien. Le transport est programmé 3 jours plus tard. Le lycée automobile de Grande-Synthe met à notre disposition une équipe, un professeur et des élèves en formation, ainsi qu'un véhicule. Les 17 palox de pommes, soit environ 6 tonnes, sont chargés dans le camion avec précision. Après un trajet de quelques kilomètres, la matière première arrive au pressoir de la pommeraie d'Auxelaire. L'ensemble des palox est déchargé efficacement. Le lendemain matin, le circuit de la pressée commence avec ses différentes étapes. On a les pommes qui sont ici sur les tapis, qui nous permettent de trier et d'enlever essentiellement les pourris, les gâtés. Les pommes arrivent dans un réceptacle, ce qu'on appelle une piscine, où il y a de l'eau. Elles sont donc lavées. Elles montent via une vis sans fin, râpées. Elles tombent dans un réceptacle. Les pulpes sont donc pressées et le jus est récupéré d'un côté. Ensuite, le jus est pompé, on les met dans une cuve. En fonction du volume, on va choisir une cuve qui prend toutes les pommes, enfin tout le jus pomme, pardon. Et donc on a des pommes à la fois acidulées, à la fois sucrées, et le mélange se fait directement dans la cuve. Et le lendemain, donc on va laisser décanter. Et le lendemain, donc on va mettre en bouteille le jus de pomme que l'on a pressé aujourd'hui. Une fois la pressée faite, une bonne nuit là-dessus, le jus s'est décanté, on l'a mis sur la mise en bouteille. Donc on commence par la pasteurisation. Donc c'est un échangeur. D'un côté vous avez de l'eau chaude qui chauffe les plaques et de l'autre côté vous avez un circuit de jus qui est chauffé par les plaques de l'échangeur.
suite à ça, vous avez une mise en bouteille qui est là. Donc la mise en bouteille consiste par gravité, le jus descend dans la bouteille. Une fois le remplissage, vous avez un servissage qui se fait. Donc il y a dépose de la capsule et vissage de la capsule. Et suite à ça, donc on vient mettre la DLC sur le bouchon. Ensuite, on couche les jus pour permettre la pasteurisation également de la capsule. 6 jours plus tard, 9 palox remplis de bouteilles quittent le pressoir direction Tétéguem chez Noël et Claudie Bourgeois. Les palox sont déchargés et déposés avec précision et délicatesse. Ils seront stockés là jusqu'à la prochaine étape, l'étiquetage des bouteilles et la mise en carton. Et bien maintenant, aujourd'hui, c'est la mise sous étiquette et avec la mise en carton. Et puis, et ben la vente, parce qu'on a déjà plein de commandes et ça part déjà dans les véhicules. Alors oui, il y a plusieurs ateliers. Il y a un atelier avec Martine pour la confection des cartons. Je fais encore celui-là et on va s'attaquer au carton vide. Un atelier à différents endroits dans le hangar avec les palox où les bouteilles sont étiquetées. Mise en carton et après les cartons arrivent ici sur la table où on les ferme pour ensuite pour la suite, pour la vente, voilà, et pour que chacun puisse se régaler avec ce bon jus de fruits de pomme pour l'association Au-delà du cancer. Je m'appelle Thérèse Cato, je suis venue aider aujourd'hui à mettre les étiquettes, nettoyer les bouteilles, faire les cartons pour l'association donc, que vous connaissez Au-delà du cancer. Et j'ai plaisir à venir parce que je trouve que c'est une action qui est tellement merveilleuse. On a tous autour de nous des gens qui sont touchés par le cancer et on y est très sensible. Alors c'est une grande opération d'autofinancement que l'association donc organise chaque année. Autofinancement, pourquoi ? Ben, évidemment, l'association met à disposition des personnes touchées par le cancer un certain nombre d'activités, activités physiques adaptées, activités de soins de support. Ces activités sont animées par des professionnels qui sont rémunérés et le bénéfice de la vente de ce jus de pomme va participer au financement de ces différentes activités. Informé, accompagné, relever tous les défis, la maladie qui nous relie au-delà du cancer. Dans la vie, il y a des hauts, dans la vie, il y a des bas, des amis qui sont là-haut pour des raisons qu'on n'attend pas. La maladie, c'est un poison, on marche avec elle, elle est là. Chacun d'entre nous est un maillon, avec toi on avancera. Informé, accompagné, relever tous les défis,
cancer. Puis ensemble, sur le chemin de la vie, allez, fonçons. Décide encore de ton destin, avec toi, tes compagnons. Main tendue, et c'est parti. Accroche-toi au fil de la vie. Avec nous, partage tes soucis. Relève les défis, souris à la vie.